Bonsoir, la team Fermi Love. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Tu fais grâce. Amen. L'actualité de ce soir. Un couple habitant en Angola. La femme, elle est angolaise. Le mari est sénégalais. Le mari a décidé de ramener les enfants qu'ils ont eus ensemble au Sénégal pour y habiter. Cette femme, elle a eu des enfants avant son deuxième mariage. Ses enfants, là aussi, sont partis au Sénégal. Arrivés au Sénégal, les enfants ont poursuivi leurs études. Le père a décidé de marier la fille de sa femme. Sa mère était d'accord, mais elle-même, elle ne voulait pas de ce mariage forcé. On lui a dit, tu es encore jeune, tu dois te marier parce qu'après, tu vas vieillir, tu ne pourras pas trouver un homme. La pauvre, elle ne savait plus quoi faire, elle était triste, tout le monde était derrière elle. Elle a accepté, mais ce n'était pas son vouloir de se marier avec le cousin de son beau-père qu'elle ne connaissait pas, qui habite au Congo et qui est venu pour se marier avec elle au Sénégal à Dakar. Et elle est tombée enceinte. Le monsieur est reparti. Elle a eu leur bébé, le bébé qui est décédé à 7 mois. Depuis que le monsieur était reparti, elle est restée 2 ans et demi. Elle ne voyait pas le monsieur. Et en plus de ça, elle n'habitait plus à Dakar, elle habitait dans l'un des villages de Dakar, le village de son mari. Elle souffrait là-bas parce que c'est elle qui faisait le ménage. Elle faisait tout, elle avait les habits, elle préparait, elle faisait tout, elle était fatiguée. Pendant ce temps, sa maman était retournée en Angola avec son beau-père. Elle pleurait, elle disait à sa mère de venir la chercher parce qu'elle n'en pouvait plus. C'était pas le mariage qu'elle voulait et c'était pas ce genre de mariage qu'elle devait rester. Le mariage à distance et elle souffrait pour la famille de son mari, c'était pas normal. Sa mère a décidé de venir la chercher. Arrivée à Dakar, l'une de ses filles qui avait l'âge de 9 ans, on lui a donné aussi un mariage forcé à son cousin qui habite en Angola. C'était vraiment triste, mais c'est la réalité de cette famille. À l'âge de 9 ans, elle était déjà la deuxième femme de son cousin qui habite en Angola avec sa première femme et ses enfants. Elle était fiancée à l'âge de 9 ans et son futur mari attendait seulement qu'elle puisse avoir ses règles pour venir la doter. Et à 18 ans pour la marier à la mairie de Dakar. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'elle a eu ses règles, son cousin, donc son futur mari est venu. Et elle est tombée enceinte. Elle a eu 2 enfants. Et elle s'est mariée à la mairie de Dakar à l'âge de 18 ans avec son cousin. Jusqu'aujourd'hui, elle habite à Dakar. Par contre, son cousin, il fait les va-et-vient. Lui, il habite en Angola, Saint-Diamantaire. Il a acheté une maison pour sa deuxième femme, qui est la fille de cette dame qu'elle a eue avec son mari actuel. Revenons sur la grande sœur. Quand sa mère est arrivée pour préparer le mariage de sa fille, qui a maintenant 2 enfants et qui est maintenant mariée, elle a ramené sa fille en Angola quand elle est rentrée en Angola. Arrivant en Angola, sa fille était très très contente de retrouver la famille de son père et sa mère aussi. Bien sûr, son beau-père aussi, mais elle était libre, elle était soulagée. Par contre, sa sœur qu'elle a laissée dans son mariage à Dakar n'a pas voulu rentrer en Angola. Elle a dit, c'est Dieu qui a voulu que je puisse avoir les enfants avec mon cousin. Je reste mariée avec mon cousin.
et je reste à Dakar, j'obéis à mon mari. Leur mère continue à faire les va-et-vient pour aller voir ses enfants qui sont restés à Dakar, celle qui est mariée et les autres enfants. L'une des grandes sœurs, celle qui a été mariée à Dakar, qui est rentrée en Angola, elle s'est remariée. Elle a choisi l'homme de sa vie et elle a un enfant, elle a un petit garçon et elle est très très heureuse de retourner dans son pays natal où elle a retrouvé le bonheur, le sourire, la joie de continuer à vivre, l'amour inconditionnel. Elle pense toujours à ses sœurs et frères qui sont restés à Dakar, mais pour l'instant, la blessure est encore présente en elle. Elle ne veut pas retourner à Dakar tant que sa blessure n'est pas guérie, parce qu'elle avait trop souffert dans son premier mariage forcé. C'est pour cela qu'elle m'a appelée d'Angola pour que je puisse vous relater cette histoire qui est vraiment triste dans leur famille. Finalement, le beau-père lui avait demandé pardon parce qu'il croyait que sa belle-fille était d'accord pour se marier avec son cousin. Il croyait que c'était seulement les caprices d'une fille de 18 ans qui allait avoir ses 19 ans. Y compris sa mère, elle aussi c'est pareil, elle a demandé pardon à sa fille en lui disant « Je ne sais pas ce qui m'avait pris pour que je puisse accepter de te donner en mariage au Sénégal, là où il n'y avait pas la famille de ton père, ma famille, il n'y avait que la famille de mon mari, tes frères et sœurs. » Mais tellement j'ai entendu ce que le jeune disait. Non, il faut vraiment qu'elle se marie. Elle va dans ses 19 ans. Elle doit se marier. Notre cousin, il a une boutique à Brazzaville au Congo. C'est un homme bien. C'est un homme gentil. C'est un homme de parole. Ils vont rester ensemble. Ils vont faire leur vie ensemble. C'est pour cela que j'avais accepté. Mais je ne savais pas que tu allais encore quitter Dakar, qui est la capitale du Sénégal, pour te retrouver au village et pour aller faire le corvée de toute la famille dans la maison où tu habitais. Préparer, aller puiser de l'eau, aller au champ, aller porter le bois et ton mari qui était reparti à Brazzaville, qui n'était même pas sur place, mais toi tu souffrais pour les belles sœurs, les beaux frères, la belle-mère et le beau-frère et les autres. Je comprends que c'était pas facile pour toi. C'est pourquoi je te demande pardon. Je sais que on ne peut pas oublier le passé, mais c'était ton destin. Il fallait que tu passes par là. Je te demande pardon, ma fille. Pour mes autres enfants qui restent, je ne veux plus faire la même chose. Et pour ta sœur qui a accepté le mariage, jusqu'aujourd'hui, elle est dans son mariage, même si son mari habite ici en Angola et qui, de temps en temps, il part là-bas au Sénégal pour la voir. Elle est pour elle contente. Elle s'est adaptée. Elle a maintenant deux enfants avec lui. Je lui souhaite que du bonheur. Que le bon Dieu continue sous moi à la bénir, à la protéger. Au moins, elle, elle habite toute seule dans sa maison. Elle a une bonne. Elle a sa vie qui est stable. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour elle. Par contre, vos frères et sœurs qui habitent dans ma maison à Dakar, là, eux, je ne veux pas leur donner un mariage. J'ai compris la leçon. Je vais leur laisser trouver le bonheur.
Et c'est à eux de venir me présenter leur futur mari et leur future femme. La grande sœur, elle m'avait appelée pour que je puisse vous relater cette histoire qui est vraiment triste. Mais on doit seulement tirer les leçons. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Même les parents ne savent pas ce qu'ils font parfois. Ils se disent que ce que je suis en train de faire, c'est pour le bonheur de ma fille, de mon fils. Mais parfois, ce n'est pas le bonheur. C'est la tristesse. C'est pourquoi nous devons laisser nos enfants choisir leur conjoint, conjointe. C'est très, très important pour leur bonheur. Parce que c'est eux qui vont vivre avec la personne qu'il ou elle va choisir. Ce n'est pas nous les parents. Nous les parents, nous sommes là seulement pour les éduquer, pour leur faire comprendre que la vie n'est pas facile, mais on doit s'accrocher. Pour leur expliquer que quand vous allez grandir, vous allez prendre en main votre propre vie en charge. Donc, c'est une obligation que vous partez à l'école. Ça, c'est normal. Mais leur dire c'est une obligation d'épouser ce monsieur, ça, c'est pas normal. Et surtout, de leur rappeler que non, si tu te maries pas, maintenant que tu as 18 ans, tu vas dans tes 19 ans comme cette fille, peut-être tu vas pas trouver l'homme de ta vie. C'est pas bien. Parce que l'enfant aussi, elle ne va pas bien dormir. Elle va se poser des questions. Mais pourquoi mes parents sont en train de me dire ça? Mais pourquoi? Et la famille proche aussi lui dit la même chose. N'en parlons plus les copines. Conseil gratuit. Laissons nos enfants continuer à vivre tranquillement, tranquille. Leur vie de petite fille avant de leur fiancer, comme cette petite fille qui a été fiancée à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, elle ne connaissait rien du tout. Elle se pose la question, qu'est-ce qui se passe? On lui dit non, tu es maintenant fiancée. Tu as maintenant un futur mari. Mais elle a encore 9 ans. Donc, quand elle voit la fête à la maison, elle ne se rend pas compte que c'est sa fête à elle. Parce que ce n'est pas le moment. Elle n'a pas encore l'âge qu'on lui donne en mariage. On doit maintenant la surveiller de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Et on doit lui montrer comment préparer, comment être une femme. Mais non. C'est pas normal. Elle n'a pas encore l'âge qu'on puisse lui montrer tout ça. Elle doit d'abord profiter à jouer à la poupée, à regarder les dessins animés, à jouer avec ses copines, à chanter avec ses copines. Mais tout ça, c'était interdit pour elle. La pauvre, elle était rentrée, comme on dit, dans le monde des grandes personnes. Dans le monde des femmes mariées, alors qu'elle avait encore 9 ans. Elle ne pouvait plus porter les mini-jupes, les pantalons courts. Elle, c'était seulement les jupes longues, les pantalons longs, parce qu'elle était déjà fiancée. Et on lui apprenait comment préparer la nourriture, les plats sénégalais. C'est ça qui était devenu sa vie. Après l'école, elle ne pouvait plus jouer avec les enfants de son âge. C'était interdit. On lui rappelait tout le temps, non, tu es fiancée, tu ne peux plus. Tu as déjà joué à l'école avec eux parce qu'à l'école, primaire là-bas, là où tu étais, là où tu es parti étudier, on ne sait pas ce que tu as fait avec eux.
Mais ici à la maison, tu n'as plus le droit. Même avec ses propres sœurs, elle n'avait plus le droit. Parce qu'elle a été déjà choisie comme femme future mariée. Dans le quartier, tout le monde était au courant qu'elle était fiancée. Par contre, elle-même, elle ne comprenait rien du tout. Elle était toujours un enfant. Parmi d'autres enfants. Elle voulait l'expliquer, mais on lui faisait comprendre que non. Tu as 9 ans, mais tu es déjà fiancée. Donc, on doit t'apprendre ce que une femme doit faire et ce que toi, tu vas faire dans le futur. Nous devons t'apprendre et nous devons te protéger. Tu n'es plus comme les autres. C'était vraiment triste, mais elle n'avait pas le choix. Ses parents avaient déjà choisi pour elle. Sa vie avait déjà basculé à l'âge de 9 ans. Pour clôturer, elle ne travaille pas. Son mari a refusé qu'elle travaille. Elle est femme au foyer, mère de 2 enfants. Elle élève ses enfants. Son mari vient de temps en temps la voir, puisque il habite en Angola. C'est là-bas qu'il travaille en tant que diamantaire. Et il a sa première femme là-bas et ses enfants. Et il a refusé de ramener sa femme de Dakar, donc celle dont je vous parle. Elle a maintenant 22 ans. Son mari a dit, toi, tu restes à Dakar. Toi, tu ne vas pas retourner en Angola. Peut-être qu'il a peur si elle retourne en Angola, dans la famille de sa maman qui est angolaise. Donc, la grande famille de sa maman est là-bas. Ils peuvent aussi lui dire, tu sais, si tu souffres vraiment dans ton mariage, tu peux arrêter le mariage. Peut-être c'est pour cela que son mari ne veut pas qu'elle retourne en Angola. Elle est arrivée à Dakar, elle avait l'âge de 7 ans. Et là, elle a maintenant 22 ans. Elle n'est jamais retournée en Angola. C'est seulement sa maman qui vient 2 fois, 3 fois dans l'année la rendre visite et rendre visite aussi à ses frères et sœurs qui sont à Dakar. Elle, elle ne sait pas quand est-ce elle va retourner en Angola. Sa grande sœur qui a été mariée dans son premier mariage qu'elle a divorcé et là elle s'est remariée. Elle, elle travaille. Elle s'épanouit. Elle a la liberté de faire tout ce qu'elle veut faire. Son mari actuel l'aime beaucoup. Et il lui a laissé la liberté d'aller travailler, de vivre la vie de femme qu'elle voulait tant vivre, qu'elle avait tant aimé et qu'elle avait tant rêvé. Et elle réalise ses projets au fur et à mesure. Et elle a une belle vie là-bas, en Angola. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et d'appuyer sur la cloche pour recevoir des nouvelles notifications. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous, bye.